Hey, bon midi Facebook! Mon nom est Marc-André Mongrain du site sors-tu.ca et bienvenue à la deuxième session lunch de Plaque Tournante, co-présentée par LifeToon et par Culture Cible. Au cours des 10-15 prochaines minutes, on va passer du temps avec un artiste qui est juste ici à ma gauche et qui va te divertir pendant que tu manges ton sandwich au jambon avec tes crudités. Alors, partage, like, lol, tu peux même commenter ou poser des questions. Si c'est pertinent, on va te lire live en onde ou même poser ta question à l'artiste. Et si c'est pas pertinent, on va le lire encore plus live en onde. Donc, sans plus tarder, je te présente notre artiste de cette semaine. Il vient juste de lancer son tout premier album solo après 35 albums et EP en groupe ou en duo. 35 albums? En tout cas, on va le fact-checker pendant qu'il va faire ça. La lumière de ton iPhone, mesdames, messieurs, Hugo Maudit, le plus beau punk du Québec. Le plus beau. Ça, c'est smart. Pas smart pour Guillaume Beauregard. Tous ceux qui mangent des ramen, c'est pour vous. Laisse-le grandir lentement. Ne fais pas comme ça qu'il devienne vieux avant le temps. Éclaire-moi avec la lumière de ton front. T'embrasser pourrait ralentir la fin du monde. Éclaire-moi avec la lumière de ton front. T'embrasser pour y ralentir la fin du monde. Oh. Fais mes yeux, j'arriverai ce soir. Fais tes yeux, j'arriverai ce soir. Éclaire-moi avec la lumière de ton front. T'embrasser pour y ralentir la fin du monde. Oh. C'est Hugo Maudit. Hugo Mudie. Hugo Mudie. Mudie. Merci beaucoup pour cette chanson, La Lumière. C'est vrai, sur le Wikipédia de Hugo Mudie, on peut voir comment prononcer le nom d'Hugo Mudie, ce qui prouve que je peux aller voir ton Wikipédia. Ouais, malheureusement. Shame on me. On a fait nos vérifications. Finalement, moi, j'ai compté 31 albums. Il doit y en avoir 3-4 qui se sont perdus en fait, dans mal. 37. Ouais. 37 ouais. Officiellement. Même le jour que mon album est sorti, il en a sorti un autre. Ah ouais, à ce ouais, moment-là. En Angleterre, ouais. De mon groupe Power. Visiblement, t'es ultra productif. Faut dire que t'en as fait avec The Beatdown, t'en as fait avec Fred Jacques, t'en as fait avec les St. Catharines, bien sûr, avec Yesterday's Ring, Miracles, toutes sortes de projets. Là, c'est comme la première fois que t'en fais un solo. Tout ça pour dire que t'es un surhomme hyper productif, on peut dire ça de même. T'as fait plus qu'un super album. Un super-héros, je dirais. Hein. Un super-héros, mais t'as fait plus qu'un album par année. Deux? Quasiment de 18 à 36 plus que deux, ans. Ouais. Fait que deux par année. Plus que deux albums par année, ouais. Sans compter que t'as écrit beaucoup de chansons, que t'as géré des artistes, t'as cofondé le label Dare to Care.
Tu es le fondateur et tu organises toujours le festival Punk Poudzafest. Co-fondateur. Co-fondateur. J'ai même eu deux enfants à travers ça. Tu as eu deux enfants à travers ça. Tu as fait de la tournée et tu t'improvises même journaliste, blogueur, chroniqueur. Comment ça improvise? Ben là, tu t'as décidé d'être journaliste, chroniqueur, blogueur. Pour Urbania, pour Radio-Canada, où on a déjà fait des chroniques ensemble Vice également. Aussi. Pour Vice, tu as même déjà publié un compte-rendu du tapis rouge avec, sur l'excellent site sortu.ca. Sortu.ca, oui. Exactement, du tapis rouge du gala artiste. Ouais, c'était fait drôle, hein? Dors-tu des fois ou ça t'arrive? Oui, mais j'ai une machine CPAP, en fait, pour dormir, parce que je fais de l'apnée du sommeil. Mm-hmm. Fait que depuis que j'ai ça, ma productivité a doublé. A doublé, ouais. Parce qu'évidemment, t'avais besoin d'être avant, plus productif. Avant, j'étais à 1,5 par année, puis là, j'étais à 2. Là, on va crever l'abcès dans tes nombreuses chroniques. T'en as fait une qui m'a particulièrement fait mal. Tu m'as fait beaucoup de peine ou... T'as fait une critique des critiques musicales. Une critique des critiques. Une critique des critiques, ben c'est ça un peu l'ironie de la chose. Mm. Où tu tu t'en prenais un peu aux critiques musicales en disant qu'on était souvent paresseux, inutile dans le contexte actuel. On peut facilement aller écouter la musique, tout ça. J'ai trouvé ça lourd un petit peu. D'ailleurs, tu nous compares des sportifs de salon. Et là, je vais te citer, ça c'est vraiment drôle. Tu dis que tu te pognes souvent avec des critiques, un peu pour la même raison que j'aime mieux écouter le hockey tout seul. Parce que ça m'insulte au plus haut niveau entendre un gros lard qui ne sait pas patiner, dire que Nathan Beaulieu, c'est un fucking loser qui ne sait pas jouer au hockey, mange tes crises de chips, pis ta gueule. OK. Un, c'est pas fin. On parle pas de même aux gens, pas même aux lecteurs d'Urbania, franchement. Deux, écoutes-tu vraiment le hockey tout seul? C'est triste. Ben oui, tout le temps avec mon chat. Souvent avec mon frère, des fois, descend. OK. On a un building ensemble, fait que des fois, il descend pour écouter avec moi. Mais oui, en général, j'aime bien être tout seul. Pour écouter n'importe quoi. Pour écouter n'importe quoi. Ouais, j'aime pas avoir l'influence des autres à côté qui m'énerve en général. OK, mais blague à part, est-ce que tu souhaites vraiment que les gens écoutent ton album puis s'astinent pas dessus, se disent pas les uns les autres? Je souhaite que les gens l'écoutent si ça leur tente puis qu'ils l'écoutent pas si ça leur tente pas. Mm-hmm. Puis que, de toute façon, comme je disais dans mon article, c'est qu'aujourd'hui, t'as comme le power de peser sur play puis d'écouter ce que tu veux. Fait que t'as pas besoin de quelqu'un qui te moule dans une direction pour tes goûts. Mm-hmm. Fait que je souhaite que les gens... que j'ai un peu foi en les goûts de la population qui n'ont pas besoin de l'influence d'influenceurs pour choisir. Fait que c'est un peu ça mon point que je tiens en ce moment. Ton relationniste de presse, as-tu trouvé ça dur que tu lances cet article-là? Ben, pas vraiment. Parce que ça a fait parler de ton album. Ça a marché. Oui et non, mais tu sais, je veux dire, j'aime mieux en général... J'aime mieux, en général, en art, n'importe quoi qui crée une discussion et qui choque que quelque chose qui passe dans le beurre, tu sais, ouais. Pour moi, ça m'intéresse pas. Fait que même affaire avec le hockey, tu sais, je veux dire, j'aime beaucoup mieux Andrew Shaw que Nathan Beaulieu, tu sais. Andrew Shaw, il m'excite plus comme joueur. Mm-hmm. Fait que si t'es sur le couch puis tu te dis « Chris, Andrew Shaw, tu sais pas patiner », je suis comme « Ta gueule, man, mange tes chips, toi, tu sais pas patiner ». T'as raison là-dessus. On parlait du fait que c'est ton premier album solo comparativement à genre 37 albums avec plein de projets, tout ça. C'est comme drôle d'en venir à un premier album solo comme après 18 ans de carrière. Fait que c'était quoi? Tu sais, d'habitude, l'album solo, c'est l'album le plus personnel, le plus intime. Là, pas nécessairement. Tu parles d'histoires qui sont pas nécessairement les tiennes. Fait que c'était quoi l'idée de... Hey, regarde, je vais aller chercher la pochette. C'était pourquoi tu voulais... mettre ton nom sur la pochette pour une fois, après 35 fois. Mettre ta face sur la pochette. C'est pas vraiment ma face, par exemple, c'est une sculpture. C'est comme une sculpture, mais ça te ressemble un peu. C'est un peu ça, la joke. Ouais. Mais pourquoi? Parce que j'avais plus d'amis pour faire de la musique, dans le fond, à force d'être tout le temps tout seul, d'écouter le hockey tout seul, d'écouter de la muse tout seul. Le monde est au catcher qui voulait pas être avec moi non plus. Fait que j'ai décidé de faire ça tout seul. Non, mais j'imagine qu'il y avait comme des goûts musicaux que tu avais envie d'explorer aussi, que tu pouvais pas. Tu sais, je veux dire. Il y a un son, il y a des sons électro un peu sur ton album qui n'auraient pas vraiment fitté avec Yesterday's Ring ou. C'est sûr. Mais tu sais, c'est pas dans le but de pouvoir explorer ça. C'est plus, j'avais pas d'autre chose, donc je me suis permis d'explorer ça. Tu sais, c'est pas. J'étais pas comme, je suis tanné de jouer du punk, fait que je vais faire un album solo puis je vais pouvoir explorer mon envie d'avoir des sons électroniques. Mm-hmm. C'était plus. J'ai pas de band, qu'est-ce que je fais? Fait que j'ai juste fait ce qui me tentait. T'es allé chercher Raphaël Bussière, puis let's go, on fait de la musique avec des chums. Puis... Exact, ça pas. Tu sais, il n'y a pas de véritable réflexion. C'est un peu comme quand j'étudiais en histoire de l'art. On analysait des œuvres faites en 1636 que le prof prétendait savoir exactement c'était quoi la motivation de l'artiste, puis ça me faisait chier. J'ai lâché l'université pour ça.
Fait que c'est un peu la même affaire face à l'analyse de la musique. Je trouve que, tu sais, je veux dire, on se creuse trop à la tête. T'sais. Je veux dire, j'ai fait des tunes, il y a d'autres monde qui font des tunes, c'est ça qui est ça. Puis tu l'écoutes ou tu l'écoutes pas après ça. T'sais. En même temps, ça te donne évidemment du matériel solo pour faire des shows solo. Ça faisait-tu partie aussi de la game au sens où t'avais-tu envie de présenter un solo? Ben, c'est, pour moi, ça, c'est une continuité. T'sais. Je veux dire, ça fait depuis que j'ai 18 ans que je sors un ou deux albums par année puis je fais des shows. Là, je vais sortir un album, je vais faire des shows. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de grande de nouveauté pour moi. Je veux dire, là, je joue avec un band que c'est mes amis, puis qu'on joue ensemble, qu'on se tient ensemble, puis qu'on, mm-hmm. qu'on peut-être écouter leur rock ensemble, si jamais. On si c'est là. Des amis proches qui chialent pas contre Nathan Bowie. Mais Nathan Bowie, il a été changé. Il a été changé, mais on n'a plus besoin d'en parler. On va parler d'Andrew Shaw à place. Ouais. Ton album s'appelle Cordoba. C'est comme une référence à un vieux char semi-deluxe qui est très polluant, ouais, qui appartient au passé. C'est cher que je vais m'acheter si je vends assez d'albums, en fait. OK. Fait que souvent, ça, ben là, on ne vend plus d'albums de toute façon de nos jours. Ah, moi, oui. Ouais, ouais tu veux savoir des albums. Ben, c'est sûr, ça doit aider. Tu n'arrêtes pas de dire aux gens, allez écouter l'album vous-même, tout ça, mais il n'est pas disponible sur Spotify. Fait que je pense, d'un côté, tu mises plus... Il est disponible sur iTunes. Disponible sur iTunes. Tu mises plus sur la vente, puis tout ça. Je suis pas... C'est pas moi, mais attends, je suis pas dans l'aspect marketing de mon album. OK, non, mais le nombre de choses que tu fais, je me suis dit... Non, c'est aussi, une compagnie de disques qui s'appelle Music Mansion qui s'occupe de ça. Qui ont décidé de mettre l'album plus en vente, mais pas sur Spotify nécessairement. Ça doit. Bon, ben, tu vois, je viens de te l'apprendre. Il s'appelle donc Hugo Mewdy. Son album s'appelle Cordoba. Il va nous chanter une deuxième chanson tirée de cet album-là qui s'intitule Sirène. T'as-tu quelque chose à nous dire par rapport à Sirène? C'est ça que t'as à nous dire? On écoute. Stone, Raphaël Bussière, merci beaucoup. L'album s'appelle Cordoba, disponible chez tous les disquaires encore en vie ou sur Apple Music. Voilà pour cette semaine et on se retrouve la semaine prochaine. On va avoir une autre session lunch. Si tout va bien, c'est pas confirmé, mais j'ai décidé de le dire live. Peut-être qu'on va avoir ici Rosie Vallant. Là, je viens de le dire, fait que t'as pas le choix, faut que tu viennes, Rosie. T'es pas game. Donc voilà, merci beaucoup, bonne fin de lunch et on se retrouve la semaine prochaine. Merci Hugo.